Ces trois sœurs ont appris le Gonyingeha à l'école dans leur communauté de Genasitake. Mais elles ont commencé à perdre leur langue en grandissant. Donc, elles ont créé des jeux vidéo éducatifs basés sur des légendes et des histoires qu'elles ont entendues durant leur enfance, appelés Revital Software. Les jeux sont destinés pour tous les âges et un démo est maintenant disponible en ligne. Once the language is lost, it's not just like the words that are gone. It's like an entirely different worldview, and one that honestly I think the world needs a bit more of right now. Like, there's something about indigenous languages that will teach you how to think of yourself in relation to nature and in relation to other people in a much more respectful way.